Alleluia. Shalom, shalom, mamma Berlin. Shalom, mamma Jolie. Shalom, mamma Arlette. Shalom, vous qui êtes connectés, même si vous n'êtes pas affichés. Nous remercions l'Éternel et notre Dieu pour notre première séance de prière de l'année 2021. Alléluia. La Bible dit, le royaume de Dieu appartient aux plus violents. Alléluia. Ce sont les violents qui s'en emparent. Nous bénissons le Seigneur pour vous, les violents qui sont déjà connectés. Connectés non seulement à votre appareil portable ou tablette, non seulement connecté à l'Internet, mais vous êtes connecté à notre Dieu qui est notre source de vie, notre source de paix, notre source de joie, le seul qui pourvoit à nos besoins. C'est le seul qui a permis que ce jour de 2 janvier 2021, que nous puissions nous retrouver dans sa présence, que nous puissions nous retrouver pour prier, pour chercher sa présence, pour prier, pour chercher la présence et nos frères et sœurs, pour nos familles, parce qu'il est notre Dieu, il est notre roi, il est celui qui mérite la louange et l'adoration. Nous disons encore shalom à vous qui êtes connectés. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Sans plus tarder, nous allons remettre notre temps de prière entre les mains de l'Éternel. Nous allons lui dire, Seigneur, règne au milieu de nous. Prends possession de notre service. Prends possession de notre prière d'intercession. Nous avons besoin de toi, que tu te glorifies. C'est notre première intercession de l'année. Nous allons remettre nos prières d'intercession de chaque lundi, de chaque mercredi, de chaque samedi et d'autres séances de prière que le Seigneur notre Dieu mettra dans nos cœurs pour que nous puissions chercher sa présence. Nous allons dire, Père, glorifie-toi, manifeste-toi. Parce que c'est toi qui es l'Éternel, le Dieu qui écoute la prière. Ô bien-aimé, l'Éternel aime les gens qui s'approchent du fond de leur cœur pour invoquer son nom. Voilà pourquoi nous allons lui dire merci pour ces temps. Nous allons lui dire merci pour ces moments. Nous allons demander sa présence. Qu'il domine au milieu de nous, qu'il règne au milieu de nous, qu'il exauce nos prières, qu'il sera élevé sous son trône, que l'Éternel notre Dieu puisse se glorifier. Nous allons lui dire, Seigneur, que nos prières d'intercession pour cette année 2021, que tu puisses exaucer ces prières, que tu puisses agréer ces prières, que tu puisses te manifester dans tout ce que nous, en tant qu'intercesseurs, nous allons demander pour les uns et les autres. Nous allons demander pour nos familles, que l'Éternel notre Dieu puisse exaucer, que l'Éternel notre Dieu puisse se glorifier. Voilà pourquoi nous allons lui dire merci. Merci là où tu es, commence à dire merci à l'Éternel et remettre ces moments entre ces saintes mains. Prions le Seigneur notre Dieu. Alléluia. Père trop saint, nous te disons merci. Nous te disons merci. Merci pour ces jours de 2 janvier 2021. Que c'est ces jours que toi tu connaissais, ô Éternel et notre Dieu, notre Père. Avant même la fondation de ce monde, avant même que nous puissions naître dans ce monde des humains, ô Éternel et notre Dieu, tu savais que le 2 janvier 2021, nous allons nous retrouver à 12 heures pour chercher ta présence, Seigneur notre Dieu. Voilà pourquoi nous te disons merci.
Merci Seigneur de nous faire traverser en 2021. Merci pour Éternel et notre Dieu, notre prière d'intercession, qui est notre première séance de l'année. Nous te disons merci. La Bible déclare avant toute chose la prière. Voilà pourquoi nous te disons merci. Avant toute chose la prière. Nous avons commencé cette année par la prière et nous continuons avec la prière. Voilà pourquoi nous te remercions, Papa, pour ta présence au milieu de nous. Pour ta présence au milieu de nous. La Bible déclare, là où deux ou trois se réunissent en ton nom, ô Éternel et notre Dieu, tu es là. Tu es là, Éternel et notre Dieu. Voilà pourquoi nous te disons merci. Merci parce que tu es là cet après-midi. Tu es là cet après-midi dans une heure avec toi. Tu es là pour exaucer nos prières. Tu es là pour nous toucher. Voilà pourquoi nous venons, ô Éternel et notre Dieu, alléluia, te dédier nos prières d'intercession de chaque lundi, de chaque mercredi, de chaque samedi. Et tant d'autres prières, Éternel, notre Dieu, qui nous sera inspiré par ta puissance et par ton onction. Nous dédions cela entre tes mains, Seigneur, notre Dieu. Fais afin que nous soyons fidèles, ô Éternel et notre Dieu, à notre poste pour intercéder, pour chercher ta présence. Fais que nous soyons fidèles à notre séance de prière. Fais que nous soyons saints, que nous soyons présents, que nous soyons présents, Seigneur, pour se tenir à la brèche, comme tu as dit dans ta parole, ô Éternel et notre Dieu. Tu cherches quelqu'un qui doit se tenir à la brèche. Mon Dieu, mon roi, je viens disposer mon cœur. Je viens disposer mon âme. Je viens disposer ma maison. Je viens disposer ma famille pour se tenir à la brèche afin d'intercéder en faveur de ton œuvre, d'intercéder en faveur de mes frères et sœurs, d'intercéder pour tes serviteurs et servantes, d'intercéder pour la proclamation de l'Évangile, d'intercéder pour le salut des nations. Je te loue, je t'exalte, Père. Je consacre ma vie. Je consacre ma vie. Je consacre mon âme. Je consacre mon esprit. Je consacre mon cœur pour la prière d'intercession. Pour la prière d'intercession, pour la prière d'intercession, cette année 2021, même d'autres prières qui seront inspirées par la puissance du Saint-Esprit, fais à ce que nous puissions nous tenir à la brèche, fais à ce que nous puissions, ô Éternel et notre Dieu, disposer pour intercéder, disposer pour invoquer ton nom. Mon Dieu, dispose mon cœur, dispose ma vie. Père, fais à ce qui peut m'empêcher de ne pas me tenir à la brèche. Sois écarté sur mon chemin. Sois écarté sur mon chemin. Sur le chemin de la prière. Sois écarté sur le chemin. Sur le chemin de mon frère et de ma soeur. Qui a pris la décision de se tenir à la brèche. Afin de chercher ta présence. Toi qui es le Dieu de miracles et de prodiges. Tu as dit dans ta parole. Ô toi qui écoutes la prière, tout le monde vient vers toi. Voilà pourquoi, Seigneur, nous disposons nos cœurs. Nous disposons nos cœurs pour être à la brèche, pour se tenir à la brèche. Bénis toutes nos séances de prière. Bénis toutes nos prières, ô Éternel notre Dieu, les séances de prière d'intercession de chaque lundi, de chaque mois. De chaque mercredi, de chaque mois, de chaque samedi, de chaque mois, et d'autres, ô Éternel et notre Dieu, jour de veillée de prière, des nuits de prière, Père, fais que nous soyons disposés
pour invoquer ta présence. Fais en sorte que nous soyons disposés pour invoquer ta présence. Père, je te loue, je t'exalte. La Bible déclare, tu es celui qui se laisse trouver par ceux qui te cherchent, mon Dieu, mon roi. Que c'est 2021. Soit pour les intercesseurs de notre Église, soit pour les intercesseurs de notre Assemblée, de partout où ils se trouvent, à chaque fois qu'ils vont, Éternel, notre Dieu, s'approcher dans ta présence, que tu exauces leurs prières, que tu exauces nos prières, que tu exauces nos prières, et que ta miséricorde se manifeste dans chaque requête. Dans chaque requête, tu seras élevé sur ton trône. Fais que nos prières soient exaucées, Seigneur. Voilà pourquoi nous venons disposer nos cœurs. Nous venons disposer nos cœurs. Le cœur de tous ceux qui sont appelés pour chercher ta présence. Le cœur de tous ceux qui ont le fardeau. Comme Daniel, quand il a appris que les décrets étaient signés, ô Éternel notre Dieu, Daniel s'est tenu à la fenêtre qui était à la direction de Jérusalem pour chercher ta présence, pour chercher ta miséricorde. Voilà pourquoi Éternel notre Dieu, nous venons, Papa, par ta grâce et ta miséricorde, demander, Seigneur, la disponibilité de nos cœurs, la disponibilité de nos temps pour chercher ta présence. Cette année 2021, que cette année 2021 soit une année, ô Éternel notre Dieu, de joie et de l'abondance, une année de révélation, une année de la visitation de l'Éternel, une année où la main de Dieu sera sur chacun de nous, sera sur chacun de nous qui va se tenir à la brèche, Seigneur, comme Daniel qui se tenait à la brèche. Père, dispose nos cœurs dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je brise toute distraction. Je brise tout ce qui peut m'empêcher à ne pas se tenir à la brèche. À ne pas se tenir à la brèche pour intercéder. Pour intercéder. Pour intercéder. Morishinda Rama Sakarama. Robo Santa Rama Shinda Rama. Rebo Kanta Rama Santa. Ikerebo Shinda Rama. Robo Santa Rama. Rebo Sakarama Shinda Rama. Rebo Kanta Rama Santa. Merci Père. Merci de disposer mon cœur. Merci de disposer le cœur de mon frère et de ma sœur. Tous ceux qui ont les fardeaux, tous ceux qui ont les fardeaux, tous ceux qui ont les fardeaux, nous te disons merci, Père. Nous te disons merci, Père. Nous te disons merci, Éternel et notre Dieu, de disposer nos cœurs. Gloire à ton nom, mon Père et mon Dieu, mon roi. Sois béni, Seigneur. Sois élevé. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oui, bien-aimés, nous sommes toujours dans la présence de notre Dieu. Nous allons demander la miséricorde de Dieu. Amen. Sur nos vies, sur nos vies de prière. Amen. Nous allons demander la miséricorde de Dieu. Amen. Nous allons nous dire, Seigneur, pardonne-nous. Amen. Et que l'Éternel notre Dieu nous purifie. Que le Seigneur notre Dieu puisse purifier nos prières pour cette année 2021. Que l'Éternel notre Dieu manifeste sa miséricorde sur nos vies de prière, sur notre disponibilité de la prière. Que l'Éternel notre Dieu nous purifie. Que tous ceux qui sont appelés à l'intercession, que leurs mains soient pures. Que leurs mains soient sanctifiées. Que leurs prières soient sanctifiées. Que leur bouche soit sanctifiée. Voilà pourquoi nous allons demander la miséricorde de Dieu. Prions le Seigneur. Alléluia. Gloire à ton nom, mon Père et mon Dieu, mon roi. Je bénis ton nom, je bénis ta présence. Qui est comme toi, qui est semblable à toi. Je viens devant toi, Éternel Dieu des armées, toi qui connais, ô Éternel notre Dieu, quand je m'endors et quand je me réveille, qui sonde du dedans et du dehors,
Tu connais notre pas. Tu connais de quelle manière nous marchons. Tu connais de quelle manière nous parlons. Tu connais de quelle manière nous réfléchissons. Tu connais de quelle manière éternel est notre Dieu. Nous faisons telle ou telle autre chose. Voilà pourquoi nous venons demander ta miséricorde sur nos vies. Nous demandons ta miséricorde sur nos vies. Nous demandons ta miséricorde sur tous les intercesseurs. Nous demandons ta miséricorde sur tous ceux qui ont les soucis de la prière. Sur tous ceux qui veulent se tenir à la brèche pour chercher ta présence. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Merci Seigneur pour la miséricorde. Que tu pardonnes nos péchés. Que tu pardonnes les péchés de nos maisons. Que tu pardonnes le péché de nos familles. Que tu pardonnes nos péchés, Seigneur notre Dieu. Que tu pardonnes nos péchés et que tu nous purifies, Seigneur. Que tu nous sanctifies, éternel, notre Dieu, notre Père. Que tu nous laves par ton sang. Que tu nous purifies par ton sang. Nous nous présentons devant toi, Seigneur, afin que toutes nos séances de prière soient sanctifiées, éternel, notre Dieu. Que soient sanctifiées. La Bible déclare « Tout est pur pour celui qui est pur ». Voilà pourquoi, éternel, nous venons devant toi, Seigneur, pour demander la purification, pour demander la sanctification, car il est écrit que tous ceux qui se sanctifient encore et davantage. Ô éternel, notre Dieu, notre Père, tout est sanctifié par la parole et par la prière. Tout est sanctifié par la parole et par la prière. Voilà pourquoi, éternel, nous venons demander la purification, la sanctification de nos vies, la sanctification de chaque frère et sœur qui ont à cœur, ô éternel et notre Dieu, cette charge de soutenir les uns et les autres dans la prière, Seigneur notre Dieu. Tous ceux qui sont appelés à se tenir à la brèche, même s'ils ne s'affichent pas. Mon Dieu, mon roi, la Bible déclare, toi tu ne vois pas l'apparence, mais tu vois au fond du cœur. Voilà pourquoi tu as demandé à Pierre de se lever pour aller dans la maison de Corneille. Parce que Corneille éternel est notre Dieu. Il était jour et nuit dans ta présence avec sa famille et ses collaborateurs. Il était jour et nuit dans ta présence, Seigneur notre Dieu. Et tu as exaucé ses prières. Voilà pourquoi, Père, nous venons demander, Seigneur, que ta miséricorde, que ta miséricorde sur ce département, Seigneur, que ta miséricorde sur toute l'Église qui se tient dans ta présence pour chercher, ô éternel et notre Dieu, le Dieu très haut qui écoute la prière. Le Dieu très haut qui exauce la prière. Le Dieu très haut qui se laisse prouver par ceux qui le cherchent éternel est notre Dieu. Père, nous demandons ta miséricorde. Nous demandons ta miséricorde sur l'Église tout entière. Nous demandons ta miséricorde sur nos familles, sur nos maisons éternelles et notre Dieu, sur nos jours de la prière. Nous demandons ta miséricorde sur nos séances de prière. Mon Dieu, que tu te manifestes, que tu te glorifies, Seigneur notre Dieu, que tu nous purifies, tu nous sanctifies par ton sang, Seigneur notre Dieu, selon ce qu'il est écrit dans ta parole. Ô éternel est mon Dieu, mon roi. Alléluia, merci papa. Nous te remercions, éternel est notre Dieu, pour ta fidélité, pour ta fidélité au milieu de ton peuple. Merci Seigneur, notre Dieu, notre Père. Sois loué, sois béni, sois exalté, mon Dieu, mon roi. Glory Shindaraba Sakaraba. Robo Santaraba Shindaraba.
Robo sakaraba shindaraba. Lori kantaraba sekerebo shindaraba. Robo santaraba shindaraba. Robo sakaraba sekerebo santa. Lori shenderebo santaraba. Merci éternel et notre Dieu. Nous bénissons ton nom et nous célébrons ton nom. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, mon Dieu, mon roi. Je bénis ton nom. Je bénis ta présence. Alléluia. Merci Seigneur, notre Dieu, notre Père. Alléluia. Oui, bien-aimés, nous sommes là dans la présence de notre Dieu. C'est notre première séance de l'année. Alléluia. Pour la prière d'intercession au niveau de notre Église. Voilà pourquoi nous sommes là pour intercéder, pour chercher la présence de notre Dieu. J'aimerais que nous puissions lire dans le livre de Luc au chapitre 4, le verset 14. Alléluia. Luc 4, le verset 14. Nous allons lire cela dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Glory Shindaraba. La Bible déclare, alléluia. Je ne sais pas si je suis en direct parce que sur mon écran, il y a quelque chose. Alléluia. Et si je suis en direct, vous me faites signe. Alléluia. Oui, Luc, merci Maman Berly. Alléluia. Luc 4, le verset 14. Que Dieu soit béni. La Bible déclare, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Oh bien-aimé, quelque chose retient au fond de mon cœur dans ces versets. C'est Jésus revêtu de la puissance. Jésus revêtu de la puissance. Oui, mon frère et ma sœur, Christ était dans le désert. Il a prié. Il a cherché la présence du Père. L'ennemi est venu lui tenter. Jésus a résisté. Alléluia. Il a résisté au plan démoniaque et satanique. Mais la Bible dit, alléluia, Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit, revêtu de la puissance de l'Esprit. Quand on dit revêtu, c'est-à-dire que c'est comme là où tu es, alléluia, je m'excuse, tu te réveilles le matin, quand tu termines la douche et tu te prends tes habits. Alléluia, alléluia. Tu portes tes habits. Jésus était revêtu de la puissance de l'Esprit. Bien-aimé, la Bible nous dit dans le livre des Psaumes au chapitre 33, alléluia, le verset 9, le Psaume 33, le verset 9, la Bible dit, alléluia, il dit, la chose et la chose existent. Il appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Oh bien-aimé, pour que les choses puissent exister, bien-aimé, il faut être revêtu de la puissance du Saint-Esprit. En ce moment-là, l'Esprit appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Car si nous rentrons en arrière, dans le livre de Genèse, la Bible déclare que la terre était vide et l'Esprit était en train de mouver. Et la Bible déclare, Dieu a parlé et l'Esprit a amené à l'existence les choses qui n'existaient pas. Voilà pourquoi la Bible déclare, Jésus était revêtu de la puissance. Là où tu es, mon frère et ma sœur, je voudrais te dire que cette année, que tu sois revêtu de la grâce et de la miséricorde de Dieu,
que tu sois revêtu de la puissance du Saint-Esprit à chaque fois que tu vas te tenir à la présence de Dieu pour chercher sa présence. Alléluia. Le fait que tu es revêtu de la grâce et de la miséricorde, le fait que tu es revêtu de la puissance du Saint-Esprit, que tout ce que tu vas demander, tout ce que tu vas chercher devant l'Éternel, que l'Esprit de Dieu puisse ramener cela, même les choses qui n'existent pas. Toi qui m'écoutes, c'est le célibat qui traîne dans ta vie. L'Esprit est là pour ramener le mariage à l'existence. Toi qui m'écoutes, c'est les enfants que tu demandes. Toi qui m'écoutes, revêtu de la puissance de la grâce, revêtu de la puissance de la miséricorde, revêtu de la puissance du Saint-Esprit, tu demandes les choses qui n'existent pas et les choses vont exister. Alléluia. Jésus était revêtu. Voilà pourquoi, là où tu es, tu vas demander à l'Éternel en disant, Seigneur, je veux être revêtu. Si tu veux, tu ouvres ta Bible. Tu commences à prier conformément à ces versets. Alléluia. Luc 4, 14. Jésus était revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Tu dis, Seigneur, je demande d'être revêtu. Que l'Église tout entière soit revêtue de ta grâce et de ta miséricorde. Que l'Église soit revêtue de la puissance du Saint-Esprit. Hey, yes, alléluia. Que nous soyons revêtus de la puissance. Que nous soyons revêtus de la miséricorde de Dieu. Parce que la miséricorde de Dieu, ce n'est que la compassion. Parce que quand tu vas te tenir à la brèche pour prier pour quelqu'un qui est malade, la miséricorde de Dieu qui est sur toi, l'Éternel notre Dieu exauce la prière et guérit celui qui est malade. Oh bien-aimé, quand tu vas demander pour celui qui attend son séjour, oh que cette année que les portes s'ouvrent sous la miséricorde de Dieu, et que les gens puissent recevoir leur papier dans le nom de Jésus-Christ. Que ceux qui cherchent le travail, parce que tu es revêtu de la grâce et de la miséricorde, tu es revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Quand tu vas prier, que les portes s'ouvrent. Oui, bien-aimés, nous allons prier conformément à cette parole. Jésus était revêtu. Ce n'est pas le nom de quelqu'un d'autre. Oh bien-aimé, la Bible est une source de notre et c'est une source de notre inspiration. La Bible dit Jésus était revêtu. Alléluia. Nous sommes qu'au début de l'année. Jésus aussi était au début de son ministère. Et je ne sais pas si quelqu'un me comprend ce que je dis. Alléluia. Jésus était au début de son ministère. C'était avant que Jésus entre dans le temple des synagogues où étaient les Juifs qui avaient les rouleaux, qui avaient les Écritures. Ils ne comprenaient rien. Mais au début de son ministère, Jésus était revêtu. Oh, je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Jésus était revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Nous sommes qu'au début de l'année. Voilà pourquoi nous allons demander à l'Éternel et notre Dieu que nous soyons vêtus de sa grâce et de sa miséricorde. Non seulement de la grâce et de la miséricorde, mais aussi de la puissance du Saint-Esprit, conformément au chapitre 33 des Psaumes 3, le verset 9 que nous avons lu. La Bible déclare, il appelle en existence les choses qui n'existent pas. Voilà pourquoi nous allons prier là où nous sommes. Commence à prier, commence à demander à l'Éternel d'être vêtu par la puissance
de la grâce et de la miséricorde. Commence à prier le Seigneur. Alléluia. Oh, merci Seigneur notre Dieu. Je bénis ton nom, je bénis ta présence. Je te loue en tant que ton fils que je suis. Joël que tu as appelé, ma soeur que tu as appelé, ma femme Arlette que tu as appelé. Nous venons au Éternel et notre Dieu. Demandez, Éternel notre Dieu, d'être vêtu de ta grâce et de la miséricorde, d'être vêtu de la puissance du Saint-Esprit durant toute cette année, Éternel notre Dieu, que nous soyons vêtus dans le nom de Jésus, que nous soyons vêtus de la tête jusqu'aux plantes de nos pieds, que nous soyons vêtus de ta grâce et de la miséricorde, mon Père et mon Dieu, que nous soyons vêtus de la puissance du Saint-Esprit, comme la Bible déclare. Jésus était revêtu de la puissance de l'Esprit. Oh Dieu, nous voulons être revêtus, Papa. Nous voulons être revêtus. Nous voulons être revêtus. Il est écrit dans ta parole, mon Dieu, au roi, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Les jeunes gens auront des visions. Le vieillard des songes. Oh, Éternel est notre Dieu, sur mes serviteurs et servantes, je répandrai de mon esprit. Voilà pourquoi nous venons demander d'être revêtu, Seigneur, d'être revêtu, Éternel et notre Dieu, par ta grâce et ta miséricorde, d'être revêtu par la puissance du Saint-Esprit, d'être revêtu par la puissance du Saint-Esprit. Tout ce que l'ennemi a préparé pour moi soit nul et sans effet, dans le nom de Jésus-Christ. Que je sois revêtu, que je sois revêtu, que je sois revêtu de la puissance de ta miséricorde. Mon Baba, libère cela sur ton peuple, libère cela sur ton peuple, libère cela sur de l'Église, que nous soyons revêtus, que nous soyons revêtus. Mon Baba, que nous soyons revêtus, que nous soyons revêtus, que nous soyons revêtus comme notre modèle Jésus-Christ, que nous soyons revêtus durant cette année éternelle, notre Dieu, que le mois de janvier, que je sois totalement revêtu de ta grâce et de ta miséricorde et de la puissance du Saint-Esprit, le mois de février, que nous soyons revêtus, que le mois de mars, que nous soyons revêtus, le mois d'avril et de mai, que nous soyons revêtus, le mois éternel est notre Dieu, de juin, juillet, août, septembre, que nous soyons revêtus, le mois éternel est notre Dieu, d'octobre, novembre, décembre, que nous soyons revêtus. Père, fais-nous grâce, Papa, libère ton puissance, libère ta puissance, l'esprit qui appelle à l'existence, les choses qui n'existent pas. Que l'Esprit, Seigneur, notre Dieu, que nos familles, que nos maisons, Seigneur, soient revêtues éternelles. Soient revêtues éternelles dans notre Église, dans la communauté, Seigneur, dans chaque département de notre Église. Que nous soyons revêtus de la puissance de la miséricorde de Dieu. Que nous soyons revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Que cette année soit une année de espoir, une année de joie, une année de joie, une année de visitation. Voilà pourquoi, Éternel est notre Dieu, toi tu es le Dieu de mon salut. Toi tu es le Dieu de mon salut. Je viens demander, Seigneur, d'être revêtu par la puissance du Saint-Esprit, comme ces jours-là, ils étaient dans la chambre haute, en train d'élever les tours de d'élever l'Éternel et Dieu des armées. La Bible déclare, tout un coup, la puissance a descendu sur eux. Révochandarabasekerebo,
Linda Raba Santa Raba, Robo Shanda Raba, Rebo Canta Raba, Sete Rebo, Ribo Shende Rebo Santa Raba, Glory Canta Raba, Ikaraba Sete Rebo Shanda, Inda Raba Sete Rebo, Robo Santa Raba, Inde Rebo Sete Rebo Santa, Inda Raba Tokorobo, Robo Santa Raba, Yete Rebo Shinde, Ikaraba Santa Raba, Robo Santa Raba, Yete Rebo Shinde, Inde Rebo Santa, Robo Santa, Inda Raba Korobo, Robo Santa Raba, Ikaraba Sete Rebo, Hallelujah. Glory Shandaraba. Merci Seigneur notre Dieu. Alléluia. La Bible déclare, Jésus était revêtu de la puissance et de l'Esprit. Que nous soyons revêtus. Que nous soyons revêtus. Que nous soyons revêtus. Que nous soyons revêtus par ta grâce et ta miséricorde. Par la puissance du Saint-Esprit. Père, que ma vie soit revêtue, que la vie de tes enfants soit revêtue, que la vie des serviteurs dans notre assemblée, que la vie des servantes dans notre assemblée, la vie des frères et sœurs, des papas et des mamans, la vie de nos enfants soit revêtue. Oh Père, que cette année, Jésus était au début de son ministère, après le baptême, il est allé dans le désert. Et la Bible déclare, revêtu de la puissance, revêtu de la puissance. Père, il est retourné en Galilée. Ô éternel et notre Dieu, voilà pourquoi mon Dieu, mon roi, nous venons demander, Père, d'être revêtu dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit. Que la visitation sous la puissance du Saint-Esprit, que l'Esprit de Dieu puisse détruire le plan démoniaque et satanique, que l'Esprit de Dieu puisse détruire, ô éternel et notre Dieu, tout ce qui ne glorifie pas ton nom, dans le nom de Jésus. Alléluia. Robo Shanda. Alléluia. Rebo Shanda. Oui, bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Là où tu es, réalise la présence de ton Dieu. C'est notre première prière de l'année en tant qu'intercesseur. La Bible dit Jésus était revêtu de la puissance. Jésus était revêtu de la puissance. Oh bien-aimé, avant d'entrer là où étaient même ses ennemis, il était revêtu. Nous allons encore prier, alléluia, en demandant que l'Éternel, notre Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, puisse détruire tout esprit de rébellion. Alléluia. Tout esprit de rébellion soit détruit, mon frère et ma sœur. Tu vas détruire tout esprit d'échec dans ta vie, parce que tu es revêtu de la grâce de Dieu, tu es revêtu de la miséricorde de Dieu, tu es revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Tu vas briser tout esprit de rébellion, tout esprit d'échec autour de ta vie, autour de ta famille, autour de quelqu'un que tu connais, même si tu ne connais pas, que tu portes devant la présence de Dieu. Tu vas briser tout esprit d'échec. Quand je parle de l'échec, c'est-à-dire que l'année commence, tu célèbres l'Éternel, mais au plus à mesure que les mois continuent, mais tu te rends compte qu'il y a des choses qui fait qu'elle est capotée. Tu vas dire, Seigneur, je brise cet esprit d'échec par la puissance du Saint-Esprit. J'ai détruit tout esprit de rébellion autour de ma vie. Tu vas détruire tout esprit d'échec dans le nom de Jésus. Parce que Christ était revêtu, parce que tu es revêtu, tu vas briser tout esprit d'échec et tout esprit de rébellion. Tu vas détruire cela. Commence à prier dans le nom de Jésus. Ô éternel et mon Dieu, mon roi, je viens dans le nom de Jésus-Christ. Moi, ton fils Joël, je viens déclarer
Ô éternel et mon Dieu, mon roi, par la puissance et l'autorité que tu m'as confiée à travers ta parole, je viens détruire tout esprit de rébellion autour de notre Église, autour de la vie de chaque frère, de chaque sœur, autour de la maison de chaque frère, de chaque sœur, autour de nos enfants. Ô éternel et notre Dieu, tout esprit d'échec, tout esprit de la servitude autour de la communauté, nous brisons cela, nous détruisons cela dans le nom de Jésus, nous renversons cela dans le nom de Jésus-Christ, nous renversons cela dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus-Christ, tout esprit d'échec. Je détruis autour de ma vie, autour de ma maison, autour de mon foyer, autour de la vie de nos enfants. Nous renversons, Père, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, mon Dieu, mon roi. Je bénis ton nom, Papa. Je bénis ta présence. Dans le nom de Jésus, tout ce qui est échec, j'invoque la puissance du Saint-Esprit. J'invoque la puissance du Saint-Esprit et détruis tout le plan démoniaque et satanique, tout le plan de la sorcellerie. Toi, esprit de mort, toi, esprit de mort, par de n'importe quelle manière, par des maladies, par des crises, par des accidents, je te brise dans le nom de Jésus. Je brise cela, je brise cela autour de ma vie, autour de la vie de mon frère et de ma soeur, au niveau de ma famille, au niveau de la famille de nos bien-aimés, frères et soeurs, dans la communauté, dans l'église, tout esprit d'accident, tout ce que l'ennemi a préparé, nous les rendons nuls et sans effet, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Bien-aimé, nous allons continuer à détruire. Nous allons lire dans le psaume 31, le verset 16. Alléluia. Psaume 31, le verset 5 et le verset 16. Alléluia. Oh bien-aimé, tu vas détruire encore les œuvres du ténèbre. Tu vas renverser tout ce qui est plan démoniaque et satanique. Le psaume 31, le verset 16. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Alléluia, alléluia. Oui, la parole de Dieu. La Bible déclare mes destinées. Quelqu'un peut dire mes destinées. Mes destinées sont dans ta main. Oh, alléluia. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Ça, c'est le psaume de David, poursuivi par Saul, alléluia, poursuivi par Saul, qu'il voulait éliminer sa vie, malgré que le fils de Saul est allé voir David en disant que tu ne vas pas mourir. Oh, bien-aimé, pendant que Saul attaquait David, un membre qui était autour de David est allé voir Saul en disant à Saul, tu cherches David et ton ennemi, il se trouve sur telle montagne. Bien-aimé, qu'est-ce que je veux dire par là? Quand je dis tu vas briser tout ce qui est de la rébellion, il y a toujours les gens qui peuvent se manifester pour aller t'accuser d'une manière ou d'une autre afin de détruire ta vie. Mais pendant que Saul a reçu l'information, il a entouré David pour attraper David. Oh, bien-aimé, la Bible déclare, quelqu'un est venu très vite et dit à Saul que notre camp est attaqué par les Philistiens. Alléluia. Voilà pourquoi j'ai dit que tu vas prier pour détruire l'échec dans ta vie. Chaque mois, tu vas prier pour chaque mois.
Tu dis, Seigneur, le plan que l'ennemi prépare pour le mois de janvier, je détruis. Le chèque que l'ennemi prépare pour le mois de février, je détruis. Alléluia. Nous allons détruire, bien-aimé. Nous allons briser tout ce qui est de l'ennemi. David a dit, mes destinées sont dans ta main. Bien-aimé, destinée na yo, ezana maboko ya tribu na yo te. Destinée na yo, ezana maboko ya famille outa. Hein, c'est comme ça, je peux dire. Destiné na yo, ezana maboko ya reine ou ya queen. Non. Ezana maboko na bangote. Destiné na yo, ezana maboko ya zambé. Le Dieu qui t'a créé, le Dieu qui t'a fait voir 2021. David dit, mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis. Un de mes persécuteurs. Voilà pourquoi nous allons encore détruire, nous allons encore briser, nous allons rendre échec tout plan de l'ennemi. Nous allons, bien aimé, je ne sais pas, tu vas prier pour chaque mois de cette année. Je viens de dire, Jésus était revêtu de la puissance. Il entre, alléluia. Bien aimé, tu es revêtu. Bien aimé, tu vas détruire. Par la puissance, par la grâce de Dieu, par la miséricorde de Dieu, le plan démoniaque et satanique pour ta famille, pour la maison, pour votre couple, pour tes enfants, pour ton mariage, pour tes business, pour ton séjour dans ce pays, tu vas dire, Seigneur, je détruis, je brise, commence à prier là où tu es. Prie, Seigneur, dans le nom de Jésus. Oh, merci éternel, mon Dieu, mon roi. Je viens dans le nom de Jésus. Je viens dans le nom de Jésus. Je viens dans le nom de Jésus. Selon ce qu'il est écrit, tout ce qui sera lié sur la terre sera lié dans le ciel. Je suis en train de lier pour ce mois de janvier, pour ce mois de janvier, tout le plan démoniaque et satanique. Le plan démoniaque et satanique pour chaque membre de notre église, pour mon frère et pour ma soeur, pour les mamans, pour les papas, pour les enfants et pour les serviteurs servantes. Nous lions tout le plan démoniaque et satanique, le plan démoniaque pour ma vie, pour mon épouse, pour mes enfants éternels et notre Dieu. Le mois de janvier, le mois de février, le mois de mars, le mois d'avril, le mois de mai, le mois de juin, le mois de juillet, le mois éternel de notre Dieu, tout septembre, octobre, novembre, décembre, que mes ennemis soient aveuglés, que mes ennemis soient aveuglés par la puissance du Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, de partout où ils se trouvent. Qu'il soit aveuglé, qu'il soit aveuglé, comme David lui-même l'a dit dans cette parole, de Psaume 31, que mes ennemis soient aveuglés. Je frappe mes ennemis de l'aveuglement dans leur loupe, dans leur jumelle, dans leur plan, dans tout ce qu'ils préparent, que mes ennemis soient frappés de l'aveuglement, que les ennemis de cette maison soient frappés de l'aveuglement, que les ennemis de nos enfants soient frappés de l'aveuglement, les ennemis de nos finances soient frappés par l'aveuglement, que les ennemis du mariage soient frappés par l'aveuglement. Les ennemis, ô éternel et notre Dieu, ceux qui ont le business, ceux qui ont le shop, soient frappés de l'aveuglement dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Jésus revêtu de la puissance, ô éternel et notre Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, que nos ennemis soient frappés de l'aveuglement, Seigneur, parce que notre destin est entre tes mains. Délivre-nous, Seigneur. Délivre-nous, éternel, de tout plan de la persécution, de tout plan de l'oppresseur, que nous soyons totalement libérés pour durant toute cette année, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur, notre Dieu.
Je bénis ton nom, Père. Je bénis ton nom éternel et notre Dieu. Je bénis ta présence. Mungu, je te bénis, Papa. Je te bénis éternel. Je te bénis le Dieu de ma vie. Le Dieu de mon salut. Le Dieu de ma délivrance. Le Dieu de ma maison. Le Dieu de mon de notre assemblée. Le Dieu de notre église de foi audacieuse internationale. Lève-toi, Seigneur. Que nos ennemis soient frappés. Que nos ennemis soient frappés. Que les ennemis soient frappés. De la vécrément. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Le Dieu de papa. Le Dieu de maman. Le Dieu de nos enfants. Que nos ennemis soient frappés. Dans le nom de Jésus-Christ. Miboche kerebo santarama. Mungu, je remets éternel et notre Dieu. Le projet de ma vie. Les projets de ma vie, les projets de cette maison, les projets de mon frère et de ma sœur, les projets de mon frère et de ma sœur, les projets de serviteurs, les projets de servantes, les projets de papa, les projets de maman, les projets des enfants, les projets des intercesseurs, les projets des musiciens, les projets, ô éternel et notre Dieu. Et tous tes enfants, Père, nous remettons entre tes mains que ta grâce et ta miséricorde sur nos projets éternels, mon Dieu, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Père, lève-toi, Seigneur, disperse nos ennemis, disperse nos ennemis. Nous refusons des malaises, nous refusons des malaises. Autour de la vie de chaque frère et sœur de notre Église, nous refusons, Père, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus-Christ, revêtu par ta grâce, revêtu par ta puissance, revêtu par la miséricorde, nous renversons, Seigneur, tout plan démoniaque et satanique durant cette année, dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur, notre Dieu, notre Père. Je bénis ton nom, Père. Je bénis ton nom, Père. Sois béni éternel, mon Dieu, mon roi. Robo Santara. Alléluia. Merci Seigneur, notre Dieu. Merci Père. Au nom de Jésus. Alléluia. Oui, bien-aimé, tu vas encore prier. Alléluia. Rindaraba, Shandaraba. Oh bien-aimé, ne laisse pas l'ennemi dominer sur toi. Ne laisse pas l'ennemi préparer des choses pour te détruire, pour te renverser. Nous sommes qu'au début de l'année, comme Christ, au début, alléluia, revêtu de la puissance. Dans Ésaïe 8, le verset, le chapitre 8, alléluia. Nous connaissons très bien ces versets. Ésaïe 8, le verset 10. Alléluia. Alléluia. La Bible déclare, formez des projets et ils seront anéantis. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Alléluia. Formez des projets et ils seront anéantis. Donnez des ordres et ils seront sans effet. Car Dieu est avec nous. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Parce que tu es avec nous cette année 2021. Tu es avec nous cette année 2021. La Bible dit, formez des projets. Qui sont ceux qui forment des projets pour te faire du mal? Alléluia. Formez des projets. Et ils seront anéantis. Revêtus de la puissance, les projets de tes ennemis seront anéantis dans le nom de Jésus. Donnez des ordres et ils seront sans effet. Oh bien-aimé, nous tenions ce oyazo pour sa ordre pour nous réclamer vie na yo, pour nous réclamer business na yo, pour nous réclamer bana na yo, pour nous réclamer libana na yo. Pour la réclamer mariage na yo et qu'on a sans effet au nom de Jésus, dit l'Éternel Dieu des armées. Mutunyonso oyazo pesa ordre
pour que Asala Yomabe, Yokandenge Bibli et Zoloba, donnez des ordres et ils seront sans effet. Est-ce que quelqu'un écoute ce que la Bible dit? Car Dieu est avec nous. Oh, la Bible déclare, Dieu est dans notre camp. Voilà pourquoi, mon frère et ma soeur, conformément à ces versets, tu vas encore prier, oh bien-aimé, tu vas encore prier pour toutes sortes de réclamations. On y se va se préparer, ma projet on se va se préparer. Yo, yé bien goûté, mais bango va se préparer ma projet. On va d'accord détruire ma projet la bango yons. On va d'accord anéantir. Il est écrit, tout ce qui sera lié sur la terre sera lié dans le ciel. Ce qui sera délié dans le ciel. Parce que Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sous les serpents et sous les scorpions. Et rien ne nous sera pas, et rien ne va pas nous nuire. Comme la Bible déclare, car Dieu est avec nous. Voilà pourquoi nous allons prier pour détruire les projets qu'on est en train de préparer. Prie le Seigneur dans le nom de Jésus. Rebo Shandaraba, Robo Sakaraba Shindaraba. Merci Éternel et notre Dieu. Tous les projets pour 2021, préparés par mes ennemis, préparés par les ennemis de ma maison, préparés par les ennemis de notre Église, préparés par les ennemis de chaque membre de notre Église. Au niveau des dames, au niveau de notre gamme, partout dans le monde entier, j'ai détruit leur projet, toutes leurs commandes soient nulles et sans effet, dans le nom de Jésus, je brise, dans le nom de Jésus, le projet pour cette année 2021, de mes ennemis, papa, je brise cela, dans le nom de Jésus, nous prenons possession de l'année, je prends possession des mois de janvier, je prends possession des mois de février, je prends possession des mois de mars, je prends possession des mois d'avril, je prends possession des mois de mai, je prends possession des mois. Ô Éternel, notre Dieu, de juin, juillet, août et septembre, je prends possession des mois d'octobre, novembre, décembre. Je vais manger les fruits, les fruits que tu as préparés pour moi. Ma maison va manger les fruits, l'église va manger les fruits de la joie, les fruits qui triomphent sur toute l'église. En commençant par les pasteurs, ses collaborateurs, les papas, les mamans, les musiciens, les intercesseurs, les enfants éternels et notre Dieu. Nous prenons possession, pour cette année 2021. Voilà pourquoi Éternel, tous les projets de l'ennemi, que toutes leurs ordres, je suis en train de détruire dans le nom de Jésus. J'ai détruit toutes leurs projets, je renverse, pour le séjour de mon frère et de ma soeur, pour le mariage de mon frère et de ma soeur, je brise le projet éternel conformé par mes ennemis dans le nom de Jésus, et j'applique le sang de l'agneau sur cette année 2021, que je prends en possession dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Sois béni, sois élevé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur, notre Dieu, notre Père. Gloire à ton nom, Père. Gloire à ton nom, mon Père et mon Dieu, mon Roi. Et merci, Père. Merci, Éternel et notre Dieu, notre Père. Je bénis ton nom, Papa. Je bénis ta présence. Merci, Seigneur, notre Dieu. Oui, bien-aimés, nous sommes presque à la fin.
Alléluia. Mais fatigant, poursuivant toujours, parce que nous sommes revêtus comme Jésus-Christ. Dans Jérémie chapitre 1, le verset 19, la Bible déclare, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Oh bien-aimé, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Oh mon frère et ma sœur, que cette année 2021, année de grâce de l'Éternel, année de miséricorde de Dieu, ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Voilà pourquoi tu vas bâtir en déclarant la victoire sur tes mains, sur tes projets, sur ta famille, sur votre couple, sur vos enfants, sur le ministère, sur l'église, sur ta famille. Bien-aimé, nous allons confesser la victoire, car la Bible déclare, ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Oh, cette année, ils ne vont pas te vaincre, car la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu, comme Daniel, il a appris qu'on a signé, les décrets. La Bible déclare, il s'est tenu à la fenêtre, tout en regardant vers Jérusalem, mais il n'a pas été vaincu. On ne va pas te vaincre. Tu vas déclarer la vie sur tes enfants, prophétiser sur tes enfants, dans le nom de Jésus. Commence à prier là où tu es. Rebo shandarabababababababa. Robo kantaraba sekerebo. Indaraba shenderebo santaraba. Robo karaba sekerebo. Indaraba shandaraba. Robo sekerebo. Inderebo kanta. Yekerebo shindarabababababa. Robo korobo kantarababa. Inderebo sekerebo. Robo sekaraba. Indaraba she. Rebo karaba. Indaraba sakaraba. Robo sekerebo. Inderebo korobo. Rabababababa. Robo sekerebo. Inderebo kanta. Yekerebo shindaraba, rabababababa, rabababababa, ikerebo, robo santaraba, inderebo shindaraba, robo karaba sekerebo, ikaraba sekerebo, inderebo shanda, glory, 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 robo bobo, ribo sakaraba shandaraba, ikaraba santaraba, robo shandaraba sekerebo, ikaraba sekaraba, rondo robo shandaraba, ekerebo santa, ikaraba santa, ikaraba santa, inderebo shenderebo, robo santaraba, robo sekerebo, indaraba shekerebo, robo sakaraba, inderebo santaraba, inderebo shekerebo, glory, 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 inderebo sekaraba, ba 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 ba. Robo shekerebo santaraba, inderebo santaraba, shinderebo, glory cantaraba, ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas, même si Éternel est notre Dieu, je bénis ton nom, je bénis ton nom, gloire et louange à toi, pour la victoire sur ma vie, la victoire sur mon épouse, la victoire sur nos enfants, Daniel Shekina, Bruce Galantis, la victoire sur cette maison, la victoire sur toute l'église. Ô Éternel est notre Dieu, merci mon Père et mon Dieu, merci Éternel est notre Dieu. Nous prophétisons la grâce, nous prophétisons la miséricorde, nous prophétisons la victoire, nous prophétisons la victoire, nous prophétisons la victoire. Que le sang de Jésus, que le sang de Jésus sur nos vies, quand je sors, quand mon frère sort, que ma soeur sort pour aller au travail, pour aller faire les achats, pour aller répondre aux appels de maître, que ton sang nous couvre, que ton sang nous protège contre le plan de l'ennemi, contre le plan de l'ennemi, même le plan de ceux qui s'appellent les puissants de ce monde, dans leur plan et démoniaque et satanique. La Bible déclare, ils te feront la guerre, ils te vaincront pas, ils te feront la guerre, ô Éternel et notre Dieu, sur mon avenir, tous ceux qui me font la guerre, sur cet avenir, sur ces quartiers, sur cette ville, dans ces pays, ils me feront la guerre, ils ne me vaincront jamais, ils ne me vaincront jamais, dans le nom de Jésus, car j'applique le sang de l'agneau, j'applique le sang de l'agneau sur ma vie, sur ma vie, sur ma santé,
sur le ministère, sur mon épouse, sur mes enfants, sur cette maison. Il est écrit, je verrai le sang et je passerai outre. Voilà pourquoi, mon Dieu, nous appliquons le sang de l'agneau, sur chaque mois de 2021, sur chaque jour et de 2021. Alléluia, nous appliquons le sang, nous appliquons le sang de Jésus, le sang de l'agneau, le sang qui crie mieux que le sang d'Abel, le sang de l'Alliance, le sang qui nous libère. J'applique le sang, j'applique le sang, j'applique le sang dans le nom de Jésus. Oh, merci Seigneur. Sois béni, sois élevé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous disons tous alléluia. Amen, amen, amen. Oui, avant que nous puissions terminer, nous allons prier pour notre culte. Le premier culte de l'année 2021, demain, le culte des enfants à 18h. Nous allons recommander cela entre les mains de Dieu. Prions le Seigneur. Père, nous remettons notre culte de demain entre tes mains. Que tu bénis notre culte de demain. Que ce soit un culte prophétique, un culte où, papa, tu vas te manifester, te glorifier par des paroles de connaissance, par des paroles des connaissances pour l'édification. Ô éternel, notre Dieu, de ton peuple que nous sommes, bénis ton serviteur qui va nous parler demain. Loin lui, éternel, notre Dieu, comme la Bible nous dit dans Luc 4, 14, Jésus revêtu de la puissance, que ton serviteur soit revêtu de la puissance du Saint-Esprit, que le musicien soit revêtu de la puissance du Saint-Esprit pour nous amener dans ta présence afin de t'adorer, de te louer. Nous remettons les services des enfants pour à 18h entre tes mains, que nos enfants soient branchés à toi pour recevoir, ô éternel notre Dieu, la parole de Dieu. Bénis ta servante qui va parler à nos enfants dans le nom de Jésus-Christ. Merci éternel, mon Dieu, mon roi. Nous bénissons ton nom, nous bénissons ta présence au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, nous allons remercier le Seigneur et nous allons partager la grâce. Nous te disons merci, nous bénissons ton nom pour cette année que nous commençons avec toi dans la prière, selon ce qu'il est écrit, avant toutes choses de la prière. Je bénis ton nom pour la présence de mon frère qui a pris part à cette première prière d'intercession pour cette année 2021. Ô éternel mon Dieu, que ta grâce et ta miséricorde sur leur vie, sur leur maison, sur leur famille, sur leur activité, sur leur projet, sur leurs mains dans le nom de Jésus. Que le ciel s'ouvre sous chacun de nous, éternel et notre Dieu, qui ont pris part, éternel et notre Dieu, à cette séance de prière. Qu'ils soient bénis là où ils sont, bénis leurs mains, bénis leur tout, de tout ce que leur main a déposé comme fondement, bénis leurs projets, bénis leurs activités, bénis leur, ô éternel notre Dieu, leur ministère, bénis leur travail, bénis leur maison, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tout celui qui se sent Christ dans son cœur, là où il est, qu'il soit visité par la puissance du Saint-Esprit, et que tu reçois la joie de l'Éternel, reçois la joie de l'Éternel là où tu es, dans le nom de Jésus-Christ, tout ce qui te rend Christ, que l'Éternel notre Dieu te visite, que l'Éternel notre Dieu te visite, que l'Éternel notre Dieu te visite. Père, dans le nom de Jésus, nous pensons à tous ceux qui sont malades et tu continues à te glorifier. Nous pensons au couple de notre bien-aimé, le frère Christian, maman Nanette, entre tes mains, sans oublier maman Jolie, entre tes mains, tous ceux qui ont perdu le leur. Nous les recommandons en ton nom, Père, que ta grâce les couvre, Seigneur, que ta grâce continue à les fortifier, la paix dans leur cœur, la paix dans leur famille. Éternel est notre Dieu, couvre-le par ta main, couvre-le par ta main, ta main divine, éternel notre Dieu, fortifie ton serviteur, Papa Christian, là où il est, éternel notre Dieu, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, éternel est mon Dieu. Oui, nous allons partager la grâce. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie.
et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Que l'Éternel notre Dieu vous bénisse là où vous êtes, dans le nom de Jésus, nous disons tous amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous retrouver à 18h avec nos enfants et à 23h pour notre prière sur Teamlink. Vous savez, ce que j'aime sur Teamlink, j'ai besoin ou nous avons besoin d'écouter la voix des X et des Y. Parce que comme ça, vous écoutez ma voix, mais moi, je n'écoute pas vos voix. Mais dans les Teamlink, quand j'écoute la voix des X et des Y, oh bien-aimé, ça nous pousse encore de chercher la présence de Dieu. Comme nous venons de le dire, Jésus revêtu de la puissance. Alléluia. Le royaume des cieux appartient au plus violent. Ce qui est disposé pour 23h sur Teamlink, branché, vous connaissez les codes, ou les codes nous seront envoyés par les pasteurs. Nous allons encore nous retrouver pour chercher la présence de Dieu. Ne fuis pas la présence de Dieu. Continue à chercher l'Éternel. Appelez ceux qui sont éprouvés. Maman Jolie, elle a perdu son oncle paternel. Appelez-le pour... appelez-la, je m'excuse, pour la saluer. Continue à appeler Papa Christian. Le Seigneur notre Dieu vous bénira. Shalom chez vous. Bye bye.